Mais bonjour. Aujourd'hui, on va faire une ribs de bœuf. Regardez-moi la grosseur. C'est assez gros. Regardez ça. Même principe. T'enlèves la membrane. On aille. Mets ça dans le fumoir. Sauf qu'au lieu d'être du porc, c'est du bœuf. Donc, regardez-moi la grosseur. Ça, c'est une demi. Fait que, on s'entend-tu que toute une, c'est beaucoup trop gros. Fait que ça, pour moi, de Marjo, ça va être amplement. Fait que là, on va mettre ça dans le fumoir. On met un bon wrap dessus. Le wrap, ben, comme je vous dis tout le temps, c'est le wrap que vous aimez. C'est ça qui compte. Puis on va mettre ça dans le fumoir pour un petit 2 heures. Après ça, on va venir l'enlever et on va l'envelopper. Fait qu'on met ça là pour 2 heures. Regardez-moi ça. C'est parti. Fait qu'on... C'est assez gros. Je vais vous montrer ce petit fumoir-là. Regarde ça, c'est un Master Pro. On me dépose, c'est le meilleur petit fumoir que vous pouvez acheter qualité prix. Là. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que la chambre des combustions est ici. Fait que tu mets ça. Moi, je mets mon bois ici comme ça. Regardez ça. Ça va brûler pendant des heures. Puis c'est super le fun. Super magique. Tu fermes ça, tu n'as plus besoin de t'en occuper après. Puis tu le fais monter à 250. On va le laisser cuire pour un 4-5 heures à 250. Fait qu'on revient dans 2 heures. Ciao! Bon, ben, ça fait 2 heures qu'ils sont dedans. On va checker que ça a l'air, les ribs de bœuf. Regardez-moi ça. Le premier 2 heures. Wow! Mon Dieu! C'est de la belle viande. Je sais pas si on va en avoir assez pour moi et Marjo. Pas sûr. Hein? On met ça là. On ferme la porte, garder notre chaleur. Finir ça, je vous reviens dans 2 secondes. Bon, ben, ils sont belles en tabarnouche. Regardez ça. Ils sont tout en train de se décoller de l'os en plus. Ils sont chaudes. On va lui mettre un petit bouillon dans le fond juste pour pas qu'elle sèche parce qu'elle retourne dans le fumoir pour un autre 2h30 comme il faut. Fait qu'on un petit peu de sucre brun dessus. Comme ça. Ça va tout caraméliser, ça va être super. Ok, un petit peu de sauce barbecue. Wow! Ça. Ça. On va aller à l'enveloppe. Ouais. Il mouille un peu pour faire du fumoir. Il reste à peu près une petite demi-heure de cuisson. Faut j'attendre. Pas vraiment le choix. Pas drôle. C'est à 4h30, c'est là. On va checker que ça a de l'air. Moi, j'ai pas mal fait. Ouh! Oh, mon Dieu Seigneur, regardez-moi donc ça. Wow! Ça là-dessus, avant qu'il y ait une gaffe, hein? Regardez-moi ça. On va aller à Gamondos. Tant que des os, il faut qu'on va aller préparer ça. On fait une petite assiette, puis je vous montre ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette assiette. Les ribs, là, je te dis, une rib, c'est 2 fois la grosseur de ma main. On est 2 pour manger ça. Il y a de la bouffe pour à peu près 8. Bon appétit, tout le monde. Et ça va être bon.